Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY assez spécial. Donc en fait ce sont des petits papiers comme ceci. Et en fait souvent moi mes parents me font qu'est-ce que tu veux pour Noël et tout. Donc là je vais vous donner une astuce pour que vos parents choisissent un cadeau pour Noël. Donc vous allez avoir besoin de petites feuilles comme ceci. Vous voyez le bloc assez petit. Et dessus il faudra faire plein de papiers comme ça. Au-dessus vous marquez pour Noël. Bien sûr, vous pouvez le customiser comme ça aussi, pour Noël. Et en dessous, vous marquez « Je voudrais ». Et en dessous de ce « Je voudrais », vous notez ce que vous aimeriez dans une autre couleur. Voilà. Ben, moi, je sais pas, allez, qu'est-ce que je veux? Donc là, c'est pour en laisser, on va dire, je veux... Je sais pas. Des posters pour ma chambre. Donc je marquais poster de chevaux pour ma chambre. De chevaux, c'est très bien. De chevaux. Donc voilà, j'ai marqué des posters de chevaux. Et j'enlève ma feuille que je plie en 4. Donc cet endroit est très facile. Hein. C'est vraiment pour ce que vos parents ne sauront pas. Et en même temps, vous ne saurez pas ce qu'ils ont pioché. Donc voilà, moi j'ai déjà fait plein de petits papiers. Donc voilà, plein. Que je vais mettre dans ce petit sac. Voilà. N'hésitez surtout pas à bien remplir le petit sac. Bon, moi, il y a quelques papiers. Et donc, vous dites à vos parents, voyons, vous collerez un papier ici, vous marquez « Tioche, 3 papiers et garde-en. » C'est ce que tu m'offriras, par exemple. Donc, comme ça, c'est le hasard. Donc, par exemple, ici, 1, 2... Et 3, voilà. J'en ai pioché 3. Donc, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché un appareil photo. J'ai pioché jeu de société. J'ai pioché un voyage. Donc, disons, moi je suis mes parents. Allez, je vais lui faire plaisir, je vais acheter l'appareil photo. Donc, je regarde mon papier. Et les autres, je dois les... remettre dans le sac. Et moi, je peux vraiment savoir où lequel vous avez pris. Et donc, comme ça, il me prend juste un papier. Et voilà. Donc, c'est un DIY très facile. Et en même temps, ça donne des idées à vos parents. Vous aurez un truc que vous, quand même, vous avez demandé. Et voilà. Donc, allez. Qu'est-ce que je voudrais pour Noël ? J'ai trouvé. Allez, bye!